surprise. Que reste-t-il? Nos amours. Surprise. Bah tu manges pas? Ils font des menus que pour les vieux. T'as l'air en forme, ça fait plaisir. Ça tout de suite collé entre tous les deux. Moi je l'ai pris comme mon fils quoi, c'est tout. Et c'est mon petit-fils en plus. Alors ça doit être pire que tout. Hein. On s'était vu une fois à, comment s'appelle, avant le tournage, aux essais filmés. Et tu m'avais attrapé, tu m'avais dit, voilà, maintenant on va chanter du Aznavour. C'était... Formidable. You are my love. Very, 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 véritable. C'est ta grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Elle a disparu. Comment c'est possible qu'elle soit partie comme ça? Vous les surveillez pas? Mais c'est pas une prison ici, monsieur. Non, mais attendez, hein, pas seulement. Elle ne se laisse pas faire, en fait. Elle a gardé cet instant de liberté qu'elle a en elle, et elle veut être libre de ce qu'elle fait. On ne va pas la mettre dans une maison de retraite, elle ne pourra pas supporter ça. J'ai pensé à elle tout de suite, parce que je trouve que c'est une actrice formidable, qu'elle elle a une intelligence de jeu étonnante, un instinct du jeu phénoménal. C'est une grande, grande comédienne, et il y a quelque chose dans son œil qui me plaît. C'est ça un acteur, c'est l'œil, hein. Je vois quelque chose dans son œil qui me plaît. Ce mélange de joie de vivre qu'elle a et de mélancolie à la fois, de profondeur. Et voilà, je trouvais que ça correspondait parfaitement au personnage de Madeleine. Excusez-moi. Vous voulez vous suicider? Non. Je pense qu'on a quand même le meilleur spot pour ça ici. Hein. On a développé beaucoup la comédie. Pour que le film oscille constamment entre l'émotion et la comédie. Pour pas qu'il y ait de pathos. Et pour montrer que quoi qu'il arrive, la vie continue, toujours. Et c'est ça qui est beau. C'est vraiment, pour résumer, si vous savez, c'est comme on a tous eu un fou rire à un enterrement. Ben voilà, donc c'est ça la vie. Première question, est-ce que votre mère est majeure? Tu t'énerves pas, hein? Ah ben je m'énerve pas du tout, non. J'aime bien comme ça qu'il y ait des personnages qui soient un peu en dehors de la vie, mais en même temps tellement crédible. On en rencontre dans la vie des gens comme ça. On les regarde, on se dit, mais ils sont bizarres quand même. La directrice de la maison de retraite que joue Audrey Lamy, qui dirige sa maison de retraite comme si elle dirigeait un club de vacances, parce qu'elle a peur en fait. Ça me plaît, mais je ne l'ai pas inventé, je l'ai vu. En faisant les repérages pour les maisons de retraite, je suis tombé un jour sur un directeur qui était comme ça. Et je le regardais, je disais, mais il est hallucinant le mec. Comment il est fou, quoi. Et il y en a des fous, hein. Il y en a des fous. Et donc, ça me plaît de montrer ça, la cocasserie. Il faut la regarder, la cocasserie. Elle existe au coin de la rue. Elle a du caractère, ta mère. C'est bien le genre à partir comme ça. Romain, par rapport à sa grand-mère, il essaie, j'ai l'impression, de se créer des souvenirs futurs. Il a envie de... De garder des choses de sa grand-mère. Ouais. Le temps qui passe, c'est pas quelque chose qui, pour l'instant, m'émeut. Mais par contre, l'urgence de vivre les choses, c'est important et c'est à tout âge. Mais bien sûr. Bien, oui, de bien se rendre sûr. Compte. Et de profiter de cette vie. Parce qu'on n'en a qu'une. Et on en profiter pleinement. Et d'aimer ceux qui partagent votre amour. Ça, c'est fantastique. À ta grand-mère. Allô, comment vas-tu? Voilà. Ouais, hein, Mathieu. Lui, il m'appelle moins que moi. Oh, c'est fou, je t'ai appelé et tout. Tu rigoles pour le nouvel an et tout, je t'ai souhaité. Mais je sais. Elle est taquine.